Elle était si belle ce soir de pleine lune, je verse des larmes noires, elle pleure des décibels, nos espoirs font languir. Je te laisse croire, je te laisse croire, les chagrins font grandir. On avance à deux mais je me mets fidèle, tu m'as trahi, comment rester fidèle. Je te laisse croire, je te laisse croire, tes fautes te poursuivent, comme tous les rêves que l'on a pris pour cible. Hey, salut tout le monde, c'est Jordan 57, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va. Aujourd'hui on est en compagnie de Diablo, salut à toi Diablo. Salut. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez pu le voir au titre, on se retrouve pour un petit glitch sur Minecraft qui vous permettra de dupliquer les ressources donc en bloc. Donc ça peut être le fer, l'émeraude, le diamant, la redstone, je sais pas, j'ai jamais testé. Et le petit dernier, l'or, voilà. Après, je sais pas s'il y a d'autres trucs qu'on peut dupliquer, ce sera à vous de chercher. C'est une méthode extrêmement facile à faire, il vous faudra juste deux blocs du minerai que vous voulez dupliquer. Donc vous en faites deux, vous en posez un, et il faut que votre inventaire soit comme ça, donc il faut que ce soit blindé partout, sauf la case, la première case en bas à gauche qui doit être vide, et au-dessus vous devez mettre le bloc que vous voulez dupliquer. Ensuite vous allez vous rendre dans les dans aide options, dans commandes, et vous descendrez jusqu'à atteindre la commande prendre bloc. Donc vous mettez la touche que vous voulez, je vous conseille le pavé directionnel, donc au droite, gauche, bas. Ouais c'est ça, au droite, gauche, bas. Tout simplement, moi je mets sur la flèche du haut. Une fois ceci fait, vous allez vous rendre devant votre cube de diamant, vous allez faire flèche du haut et la touche pour jeter, donc chez moi c'est rond. Donc vous faites les deux touches en même temps. Voilà, donc votre personnage aura un cube en diamant et un diamant sera devant. Alors je vais vous expliquer pourquoi ça fait ça. Tout simplement, en fait, pour le jeu, vous prenez le bloc qui est dans votre inventaire, tout simplement, mais il n'a pas le temps de calculer le fait que vous le jetez. Donc en fait, vous jetez le vrai bloc, mais vous gardez un bloc fantôme en main. Donc on va l'appeler le bloc fantôme. Vous allez voir que si vous le posez, si vous essayez de le poser ou si vous essayez de le changer de place dans l'inventaire, il disparaîtra. Si vous faites ça, voilà, le cube a disparu. Donc ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est que vous faites flèche du haut et votre touche pour drop, donc rond chez moi. Vous faites carré pour aller dans l'inventaire de craft. Et vous transformez directement votre diamant en... Enfin, votre cube de diamant en diamant. Ça va vous en donner 9. Et vous allez tout simplement récupérer votre cube qui est pas fantôme, celui-ci. Celui qui est jeté n'est pas fantôme. Et là, vous allez refaire donc flèche du haut et vous jetez, vous retransformez ça en diamant. J'espère que c'est assez clair pour vous. Hop, vous pouvez faire ça à l'infini, tout simplement. C'est des ressources en illimité et ça marche avec tous les cubes de minerai, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo courte mais efficace vous aura plu et j'espère que vous avez compris comment ça marche. Si vous avez des petits soucis, n'hésitez pas à m'en faire part. Je serai là avec plaisir. Sur ce les gars, ciao, bye bye.